You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire. Formidable, Charles Aznavour, il y a moins d'un mois, livrait l'un de ses secrets de longévité. J'écris tous les jours, je déchire aussi beaucoup. Je déchire pas d'ailleurs, je broie. J'adore le bruit. Je mets le papier dedans. Je sais qu'on va pas me piquer l'idée. On m'en a piqué souvent. Né il y a 94 ans à Paris de parents arméniens. Son père est chanteur, sa mère comédienne. Ils vivent dans 20 mètres carrés à 5. Pour le petit Charles, c'est la bohème. Je vous parle dans le temps que le moi de 20 ans ne veut pas connaître. Mon marteau c'est dans l'air. Accroché ses lilas jusqu'aux cieux de fenêtre, s'il en le garnir. Qui lui servent de nid, ne veillez pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème. La bohème. Sa petite taille, son physique, sa voix rauque, rien ne semble prédestiner le jeune artiste à la carrière qu'il va connaître. Toute une partie de la jeunesse d'Aznavour, de ses débuts dans le métier, c'est contre le destin, contre l'avis des gens qui savent, des critiques, des managers, des patrons de salle et même des copains. Avant Paris, c'est à Montréal qu'Aznavour fait ses premiers spectacles. Il forme un duo avec Pierre Roche. Montréal a toujours été une ville importante parce que j'y ai vécu 2 ans et demi. Bah, que j'y ai connu toutes sortes d'aventures artistiques, amoureuses. Édith Piaf le repère. Dans l'ombre, Aznavour devient son parolier, son régisseur, son confident. J'étais une sorte de complice de Piaf. Parce qu'on avait énormément de choses en commun. C'est-à-dire qu'on avait une chose en commun qui était la plus importante, la rue. C'était pas la même manière. Elle, c'était la rue de la misère. Moi, c'était la rue de l'émigrant. Le 12 décembre 1960, mais surtout plus de 1400 chansons dans 8 langues différentes. Cette bête de scène séduit tous les publics. Je me régale en scène et le public le voit. Il le voit parce que je me régale, je suis heureux, je suis chez moi. Et quand je trouve une plaisanterie qui me plaît, que je leur dis, je marre avec eux. Fier de ses origines, Aznavour mettra sa célébrité au service de la cause arménienne. Il partage et transmet à sa fille notamment, qui chante parfois avec lui. Jusqu'au bout, sa musique aura été sa vie. Je ne suis pas mécontent du tout. Je ne dirais pas que je suis fier de moi, c'est encore un mot ronflant. Je dirais que le petit soldat a fait son travail. Voilà. Je n'ai pas de mille à me faire. Je ne serai pas trop mal logé. Que j'aille au ciel ou en enfer, je n'ai pas lieu de m'inquiéter.